Lady Victoria Hervé s'est exprimée sur l'expulsion des Sussex de Frogmore Cottage. L'ex du prince Andrew avait affirmé que le prince William y était pour quelque chose et le prince Andrew ne serait pas celui qui emménagera dans la propriété. Le prince Harry et Meghan Markle ont bien été expulsés de Frogmore Cottage. Des experts royaux affirment que les Sussex seraient en colère et choqués de cette décision. L'ex du prince Andrew, Lady Victoria Hervé, s'est exprimée sur le sujet dans l'émission GB News de Nana Akua. Rappelons que Lady Victoria Hervé a toujours exprimé son opinion sur la famille royale. Bien entendu, elle n'a jamais hésité à donner son point de vue sur le duc et la duchesse de Sussex. Dans cette émission, l'aristocrate et mannequin a affirmé que le prince William était à la base de l'expulsion des Sussex de Frogmore Cottage. Lady Victoria Hervé affirme que le prince de Galles serait malheureux dans sa nouvelle maison, Adelaide Cottage. Notons que la famille du prince William et de Kate Middleton ont emménagé dans la propriété du château de Windsor il y a moins d'un an. Toujours dans cette émission, Lady Victoria Hervé a répondu aux spéculations comme quoi le prince Andrew pourrait emménager à Frogmore Cottage. La première chose à dire sur Royal Lodge, si est qu'il n'y a que 10 chambres et pas de piscine. Tous les journaux ont dit qu'il y avait 30 chambres, si est complètement faux, avait-elle déclaré. Je pense qu'il est également évident que si est le prince William qui veut la maison, avait-elle ajouté. Lady Victoria Hervé, cela n'a rien à voir avec les budgets. Des rumeurs disent que le prince Andrew va s'installer dans le cottage après que le Royal Lodge ait été laissé avec de gros travaux à faire. Pourtant, la réduction de la location du duc d'York doit être prise en compte. Cela n'a rien à voir avec les budgets. Si est William qui veut la grande maison, il n'est pas heureux dans la petite, avait expliqué Victoria Hervé. Le prince Andrew, lui, vit à Royal Lodge depuis 20 ans, c'était la maison de sa grand-mère, si est très sentimentale, et il a les chiens, alors pourquoi devrait-il déménager? Avait-elle continué avant d'ajouter, le dernier souhait de la reine était qu'il reste dans cette maison mais le roi Charles veut juste le chasser.